Vasselino Ventura, bonjour. C'est là, vous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vais vous demander. Bonjour à tous. C'est à vous que je m'adresse derrière vos écrans. Vous allez bientôt suivre le troisième épisode de la série Retour au théâtre pour lequel je vais avoir besoin de votre participation. Oui, vous avez bien entendu, de votre participation. D'abord, où que vous vous trouviez en ce moment, vérifiez que vous êtes bien installé. Si vous êtes plusieurs, installez-vous autour de l'écran de manière à ce que tout le monde voit bien. S'il y en a parmi vous qui veulent aller aux toilettes, appuyez sur pause et revenez. C'est fait? Maintenant, je vais avoir besoin de toute votre attention. Ce que vous avez à faire n'est pas très compliqué, mais ça demande quand même un peu de concentration. Vous êtes prêts? Je vais vous demander de fermer les yeux. Ne le faites pas tout de suite. Je ne vais pas vous laisser tout seul dans le noir sans aucune autre indication. Actuellement, je suis sur la scène de l'espace Lino Ventura à Torcy. Face à moi, 456 fauteuils qui n'ont jamais accueilli de spectateurs. Dans quelques instants, vous serez les premiers à vous y asseoir. À mon signal, vous fermez les yeux. Ensuite, je compte jusqu'à 3, comme le jeu 1, 2, 3 soleil, vous savez. À 3. Vous ouvrez les yeux et vous aurez la vision que j'ai là, moi, en ce moment, de la salle. Et vous irez vous asseoir où bon vous semble. Respirez, rassurez-vous, ça va bien se passer. Restez concentrés et faites confiance à votre imagination. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. 1, 2, 3. Sur la droite de votre écran, il y a les deux portes par lesquelles vous entrez. Vous pouvez vous installer à la place que vous désirez. Prenez votre temps. Vous pouvez choisir la place que vous voulez, ce qui est rarement le cas au théâtre. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider de vous asseoir sur n'importe lequel de ces fauteuils. Sans vous mettre la pression, je vous informe quand même que vous êtes le premier public à entrer dans cette salle rénovée et que vous serez le premier ou la première à suivre un spectacle depuis le fauteuil que vous avez sans doute maintenant choisi. Allez, asseyez-vous. Les derniers. Entrez les derniers, entrez. Voilà. Ça va? Vous êtes tous bien installés? Eh, hey,
Vous y êtes arrivé. Vous êtes là. C'est impressionnant de vous voir tous là. C'est émouvant en tout cas. Bon, j'espère que nous, on va être à la hauteur. Bon spectacle. Et bravo. Ouais, encore bravo. Bravo. Donc, voici l'hiver de notre déplaisir changé en glorieux été par ce soleil d'York. Tous les nuages qui menaçaient notre maison ensevelis dans le sein profond de l'océan. Donc, voici nos tempes saintes de victorieuses guirlandes. Je viendrai en famille. Nos armes ébréchées pendues en trophée. Ça sera sans doute complet. Faudra entrer dans les premiers pour avoir de bonnes nos places. Nos alarmes, sinistres. Changer en gaie réunion nos marches terribles en délicieuses mesures. La guerre, aux hideux visages, a déridé son front. On ira s'asseoir là-bas, moi, entre mes deux fils. Et désormais, au lieu de monter des coursiers caparaçonnés pour effrayer les âmes des ennemis tremblants, il gambade dans la chambre d'une femme au son lascif du luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux un miroir amoureux. Moi, qui suis rudement taillé, et qui n'ai pas la majesté de l'amour pour me pavaner devant une nymphe impudique et frivole. On peut ressentir plein de choses, en fait. J'aime bien quand les émotions du comédien sont vraies. C'est qu'on croit, on sait que tout a été écrit, mais en même temps, on y croit tellement. Et du coup, ça fait vivre encore plus fort les choses. Moi, quand je suis là depuis 2004, je crois, un truc comme ça. Et au départ, mais j'habite par là-bas, et il y a une école par ici. Et on passait devant. Mais j'avais jamais remarqué que c'était une salle de spectacle. En fait, je passais sur la place, quoi. J'avais mes deux enfants, on allait à l'école, quoi. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est une salle de spectacle. Purée, mais j'habite à côté d'une salle de spectacle. Non, mais t'as jamais vu ça. Et de ce jour-là, j'ai vu tous les spectacles qu'il y avait. Et ça me fait peur pour les enfants, parce qu'ils commencent à s'habituer à l'écran, tout ça. Et déjà que ça devient de plus en plus dur d'aller voir du théâtre vivant, c'était déjà compliqué, mais je ne sais pas comment ça va être après. Enfin, moi, le après me fait peur en me disant, est-ce que les gens, ils vont vouloir vraiment y retourner? Les aficionados, oui, ceux qui adorent le théâtre, oui, ils vont y retourner. Mais ceux qui avaient déjà du mal à y aller, ils vont s'habituer aux séries Netflix et compagnie. C'est addictif, ces trucs-là. Donc comment on va dire, si en fait c'est beaucoup mieux, comment on va faire? Ouais, ça m'interroge quand même. Enfin, le fait de poser la question, moi, je pensais pas que je m'interroge. Mais oui, si, ça va être très interrogant. C'est quoi ici? C'est un théâtre. Un théâtre? Oui, un théâtre. C'est quoi un théâtre? C'est un lieu de rassemblement. Comme un stade de foot? Un peu. Sauf que ça se passe dans une salle. Et qu'il n'y a pas de ballon. Ni de joueurs, ni d'arbitres. C'est un endroit où on joue. Comme un parc d'attractions? Pas vraiment. Il y a des gens qui jouent et d'autres qui les regardent. Comme un match de foot alors? Arrête avec le foot! Il a raison. Si le théâtre c'est un lieu de rassemblement avec des gens qui jouent et d'autres qui regardent, ça ressemble au foot. Sauf qu'au théâtre, ceux qui jouent, c'est des comédiens. C'est quoi un comédien? C'est comme un acteur de cinéma.
C'est quelqu'un qui fait croire au spectateur qu'il est content, triste ou qu'il a mal. Neymar, c'est un comédien. N'importe quoi. Mais si, des fois il tombe et il fait croire qu'il a mal. Mais en vrai, il n'a rien du tout. Il joue la comédie, ensuite il y a coup franc. Il fait du théâtre, Neymar ?